Putain, quelle journée d'enculé, bordel de merde. Là, ça y est, là, Pardon, pardon. Plus dans mon monde. Mais quel dans ton monde? Meuf Sandra, depuis le temps qu'on se connaît, t'as pas compris que moi j'avais un monde à moi toute seule déjà? Que j'avais assez de problèmes à gérer déjà dans ma thug life? C'est pour ça que je peux que te comprendre, tu sais, on a déjà eu cette conversation. C'est pas bienvenu dans mon monde, c'est bonne fusion, comme dans Dragon Ball Z de nos deux mondes. Donc c'est pour ça que c'est encore plus thug. Pardon, bonjour les filles. Excusez-moi, j'ai l'impression de me retrouver dans une régie. Bougez pas. L'une après l'autre déjà, vu qu'on attend que Raph va se brancher, est-ce que vous voulez nous expliquer un petit peu votre confinement, comment ça se passe? Nancy, vu que toi t'étais en maillot de bain il y a encore 5 minutes. Ouais, laisse tomber. Écoute, moi ça se passe bien, tout le monde va bien, donc du coup c'est l'essentiel. Très actif, j'ai l'impression que le temps s'est accéléré. Laura, c'est lundi, le lendemain c'est vendredi, c'est un truc de ouf quoi. J'ai l'impression qu'il n'y a plus d'espace-temps. Ça commence à 7h du mat avec les enfants qui sont debout, donc au taquet. Ensuite, on fait une séance de sport, gym direct. Ensuite, c'est les devoirs. Ensuite, c'est une petite sortie pour la petite. Ensuite, il faut faire à manger. Ensuite, c'est la sieste. Ensuite, il faut sortir le grand. Ensuite, ben, c'est l'apéro avec les copines. Et, ça défile, quoi. Donc, ben, je ne devrais peut-être pas dire ça, mais nous, on se sent plutôt bien en confinement. J'avoue que le fait de plus avoir de timing, de cadre avec les horaires de l'école et ce genre de trucs, ben c'est plutôt appréciable. Donc voilà, nous on est bien. Magnifique. Nodiz, toi qui es une fervente de la nature, du camping, comment tu vas? Bah, écoute, ça va. Moi j'étais malade à peu près une semaine comme il faut. J'ai une grosse sinusite et des migraines non-stop. Je sais pas si j'ai eu le Covid ou pas. De toute façon, on voulait pas me tester, on voulait pas me voir, donc je me suis auto-isolée. Le camping est fermé, c'est les mesures cantonales, tous les lieux publics comme ça sont fermés. Donc je suis à la maison, j'ai pris perpète avec trois adolescents et le chat, super chiant aussi. Je fais pousser tout ce que je peux pour m'occuper. Voilà, donc j'ai des boutures qui arrivent de partout, ça c'est cool. Je coupe mon aloe vera pour me la foutre sur les cheveux et la tronche pour m'occuper. Je fais plein de bons repas, j'ai pris entre 3 et 4 kilos je pense. J'ai arrêté de fumer, je sais même pas comment ça se fait, mais ça fait 2 semaines que j'ai pas touché une clope. Moi perso, la radio me manque. L'événementiel me manque de ouf, la musique ça me manque de ouf. En fait, ça m'a tellement coupé dans mon élan que j'écoute même plus de musique chez moi, à peine dans ma voiture. Oh, tu sais mettre l'ambiance, Jessica. Tu dis? J'ai dit que tu sais mettre l'ambiance. Donc voilà, on fait comme on peut, on fait quand même de la gym, on se défonce. Moi le matin, je fais 40 minutes en tout cas. Ah, joli. Donc, ouais. J'admire. Il y a du positif. Il y a moins de crises de nerfs, moins de crises d'angoisse, c'est bien. Ouais. C'est positif. Ouais, c'est positif. Ok. Raoula, comment tu vas? Moi, ça va. Ça va, ça va. Je fais une minute. Hein. Je survis, je survis tant bien que mal. Moi, ça va. J'arrive gentiment au bout du rouleau, mais ça va, ça va, ça va. Ça va. Je suis dans là. Tu sors ou tu restes chez toi ou tu dois bosser et du coup tu dois sortir? Je sors pour les courses, c'est tout. Ouais, ok. Pour et les courses et puis si je dois accompagner ma mère chez le médecin. Ouais. Okay. Donc réellement sortir. Partout, hein? on doit faire la queue partout dans les magasins en Suisse ou pas, vous croyez? Ou c'est que je n'ai... Ah oui, c'est la guerre. Là, je suis sorti encore avant, c'est la guerre. Il faut savoir que demain, c'est vendredi saint en plus, donc tout est fermé. Ah oui. Que lundi, c'est le lundi de Pâques, que tout est fermé. Bah oui, là c'est la guerre là. Ouais, mais j'oublie chaque année moi que c'est fermé à Pâques. Ouais. Donc effectivement là c'est problématique. Voilà. Ok les filles, alors Tina t'es prête? Raphaël est là, il va arriver dans 2 secondes. Moi je suis prête, on peut lancer. Alors on attend, il devrait arriver incessamment. Et on lui fait pas peur les filles quand même, hein, le pauvre. Jamais, c'est pas du tout notre style. Hartung, Hartung. Hartung, Hartung. Yeah.
Hello. Hello. Est-ce que tu nous entends, Raph? Il est en connexion. Connexion. Je vois ses connexions à l'audio. En train d'arriver. Ouais. Je t'entends. Ah, voilà. Bonsoir. Magnifique. Hello. Bonjour. Salut, Raph. Ça va? Ça va, salut, et toi? Ouais, ça va, merci. Donc, Raph, merci de nous avoir rejoints au sein de sa PMV. Merci à vous. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ouais, totalement. Je m'appelle Raphaël, je suis d'origine genevoise. Je suis désolé, j'habite à côté de l'hôpital. Excuse-moi. C'est venu gâcher le truc. On n'entend pas tellement. Non, on n'entend pas tellement le bruit. Donc ah, vous n'entendez pas? Ok, top. Il y a une ambulance. Donc, je m'appelle Raphaël, j'ai 32 ans, je suis d'origine genevoise. J'habite à Genève et je fais partie d'une structure qui s'appelle Artistic Lab. Ok, tu peux nous en parler un petit peu d'Artistic Lab? Ouais, en fait, Artistic Lab a été créé pour mettre physiquement en fait tout ce qu'on a dans la tête. C'est un petit peu d'où le nom en fait, le laboratoire artistique. C'est que dès qu'on a une idée, on essaie de la rendre physique et surtout en cassant les codes parce qu'on en a marre d'entendre que Genève, il n'y a rien qui se passe, à Genève, il y a ci, on est en Suisse, donc on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ci. Donc du coup, on essaye avec nos moyens et du coup, on a créé justement cette structure, que ce soit ici à Genève ou à Lisbonne et on essaie de faire bouger les choses d'un point de vue artistique. Et d'un point de vue artistique, donc, c'est tout style mélangé, il y a de la musique, il y a des concerts, il y a des DJ, il y a quoi? Ouais, en fait, tout simplement, Artistic Lab a été créé en parallèle d'une association qui s'appelle Geneva Care. C'est une assoce à but socio-artistique, donc mettre en avant les artistes locaux et en même temps essayer de faire du bien autour de nous par ce biais-là. Donc, en parallèle, on a créé Artistic Lab parce que là, il y avait des fonds, il y a des gens qui voulaient payer parce que Geneva Care, c'est une association à but non lucratif. Et on ne voulait pas qu'il y ait de l'argent qui soit injecté pour pas que les artistes qui s'inscrivent à l'association soient intéressés par l'argent, tout simplement. Okay. Donc, du coup, vu qu'il y a de l'argent qui a commencé à tourner, on a créé Artistic Lab, qui est une start-up, justement. Et du coup, on a créé des expositions de peinture, on a créé des plateaux stand-up, on a créé des soirées dans le milieu nocturne. Et on essaye aussi de créer des events plus privés, du style concert privé, par exemple. Ah bah c'est trop après, bien. On a créé aussi des festivals virtuels. Bah justement, on parlait du fait que pendant le coronavirus, il y a des initiatives qui ont été mises en place sur des plateformes live, des réseaux sociaux comme Facebook, comme Instagram, comme TikTok, etc. Et ouais. Nous, on a été agréablement surpris de voir que Artistic Lab s'est justement inscrit dans une démarche similaire et vous avez fait ce petit festival à la maison. Tu peux m'en parler? Ouais, complètement. En fait, c'est très simple. À force de rien faire à la maison, on a eu une vision d'un point de vue public. On s'est dit, ok, le public a été forcé d'annuler tous ses concerts. Ils peuvent plus voir les artistes qu'ils aiment. On s'est mis après dans la peau d'un artiste. On s'est dit, ok, tous les bookings ont été annulés. Ils n'ont plus de moyens déjà. Ils n'ont plus de revenus pour ceux qui sont professionnels. Et en même temps, ils n'ont plus cette visibilité qu'ils méritent. Puis, on s'est dit, ok, et il y a le fait que, moi, je suis très sensible à ça, le fait de rester à la maison. Parce que sinon, on restera à la maison jusqu'au mois de novembre si on continue à se balader en groupe au bord du lac ou autre. Donc voilà, on s'est dit, ok, on a ces trois raisons-là. Il faut qu'on fasse bouger les choses. Il n'y a encore rien qui se passe sur le net. Quelle est la plateforme la plus vue et la plus pratique? On s'est dit, ok, Instagram, donc par le profil de chaque artiste, parce qu'il fallait donner de la visibilité aux artistes, on s'est dit, ok, ils vont faire chacun chez eux
une performance live, histoire de faire plaisir à leur propre public et à tous les curieux qui viennent voir pour voir si ça vaut la peine. Et ça a duré combien de jours? Ça a duré 5 jours, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et lundi. Ouais. Super. Et les retours? Ouais, lundi, des retours incroyables déjà de la part des artistes. Il faut savoir que chaque artiste qu'on a contacté, ils ont tout de suite accepté. Ils ont vraiment aimé le concept et l'initiative. Donc déjà, on a eu après coup un feedback relativement bon des artistes, que ce soit d'un point de vue « yes, on s'est éclaté, c'était génial », ou d'un point de vue « c'est vrai qu'on a eu des nouveaux suiveurs », donc c'était aussi un petit peu le but. On a eu un super bon retour du public. Je pense que plus on fait et plus le public ouvre les yeux et se dit « ok, il y a des artistes, il y a des bons, il y a des choses qui se passent, donc on va essayer de participer ». Et en même temps, on a eu aussi un super bon retour des médias parce qu'il y a pas mal de radios qui se sont intéressées à notre projet et des médias sur le net. Et du coup, c'est quoi la suite alors? Deuxième édition, bientôt? j'ai, comment dire, sans dévoiler trop de secrets. Exclu. Je viens upgrader. Pardon ? Ça n'ira nulle part, t'inquiète pas. Ça restera entre nous, c'est ça ? Exactement. En gros, j'aime bien upgrader à chaque fois. Et c'est vrai que là, on est en train d'essayer de tourner la chose un petit peu plus pro. Parce que c'est vrai que ça s'est fait très vite. Parce que je voulais très vite faire bouger les choses. Donc, on est en train d'essayer de tourner un petit peu la chose un petit peu plus pro. Et essayer de satisfaire les trois acteurs qui sont le public, les artistes et là il n'y a que deux acteurs. Ouais, donc déjà hors confinement c'est pas une chose évidente, mais donc dans le confinement aussi, ça, même dans le confinement, ça demande quand même de l'organisation, du travail et pas mal de petits chemins détournés, donc totalement toute ma to-do list. En termes de série, je n'ai encore rien touché. Non, t'es le seul alors. Vraiment, vraiment. en tout cas c'est tout le succès et tout le mal qu'on te souhaite. On va indiquer sur notre site internet les liens de Artistic Lab, autant que ce soit le contact pour le Facebook, l'Instagram. Et on se réjouit en tout cas de pouvoir assister à une deuxième édition. Et, merci. En tout cas, nous, on est là, on appuie le projet, on est derrière toi. Et on te souhaite une bonne fin de confinement. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé. Merci à vous. Merci pour ce que vous faites aussi. Vous faites bouger les choses à votre manière et c'est vraiment cool. Et je pense qu'on est tous sur le même bateau, en tout cas. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup, Rav, en tout cas. Merci à vous. Prenez soin de vous. Merci. Ça aussi. Ciao. Merci. Alors je vais appeler Shania, c'est mon ancienne coiffeuse, et je vais lui demander ce qu'on peut faire avec nos cheveux. Par exemple, moi, je suis vraiment en tanasse en ce qui me concerne. Je vais tout vous dire. Moi, c'est les ongles. On peut faire des couleurs de cheveux si on veut. Ouais, alors moi j'ai fait pas mal de conneries depuis deux jours, je vais dire. Alors je vais envoyer, j'attends. Pronto? Est-ce qu'il y avait quelqu'un à qui j'avais pas demandé comment le confinement allait? Bah oui, Tina et Malou. Voilà, ouais, pardon, excusez-moi. Non, ça va. Malou, je t'en prie, fais donc. Ah, tu dis pour le confinement? Ben, alors, moi, je pense que c'est génial. Parce que ça arrête le temps un moment, et puis j'espère que ça va faire réfléchir les gens sur la notion de travail. On voit bien que ces derniers temps, tu vois, on peut très bien vivre sans aller s'acheter des habits pendant trois semaines, sans forcément, tu vois, aller au cinéma. Enfin, il y a plein de trucs qu'on, voilà, on peut très bien vivre bien
sans achat inutile et choses comme ça. Donc, je trouve assez cool de, que ce soit imposé de façon presque naturelle aux gens. Et puis, j'espère que du coup, ça va réveiller un peu les gens sur le fait qu'un autre système est possible, qu'on n'est peut-être pas obligé de travailler, tu vois, autant que ça pour vivre et puis surconsommer, qu'on peut vivre un peu plus simplement. Et puis, de recréer des liens, je trouve assez cool, quoi. De, tu vois, d'aller voir tes voisins, voilà, vous avez besoin de quelque chose. Enfin, j'aime bien ce truc où tout d'un coup, c'est comme si on avait changé d'espace-temps un peu. Et moi, j'aime bien. Donc, j'espère que, voilà. Après, je comprends que ce soit grave et qu'effectivement, ça a une vitesse de transmission d'un individu à l'autre qui est très rapide. Et donc, c'est effectivement très compliqué à arrêter. Mais voilà. Et après, je pense que ça sert aussi certains trucs politiques, hélas, qui sont un peu pas très beaux, surtout en France. Mais bon, là, c'est un autre débat dont on pourra parler entre nous après, peut-être. Mais voilà, je pense qu'effectivement, c'est un moment où faut pas trop fermer les yeux politiquement parce que c'est un moment où on peut faire peur un peu aux citoyens et profiter de ça pour imposer des trucs qui sont pas du tout corrects ni libérateurs pour les gens, quoi. Voilà. Magnifique. Putain, je suis sur le cul. Je crois qu'on a Chania qui devrait se brancher incessamment sur vous. Et puis alors, du coup, Tina? Ouais, Tina, dis-nous. Ah, moi, je suis zen. Moi, je suis zen. Je m'occupe. Je me suis fait un petit programme. Comme tout le monde, au début, je me suis dit, bon, bah, autant faire des trucs qu'on ne fait jamais. Genre les carreaux, les fenêtres, dégraisser le four. Compter le nombre de carreaux qu'il y a sur le sol de la salle de bain ou de la cuisine, des choses comme ça, tout à fait futiles, histoire de passer le temps. Mais après, moi, je trouve que ça fait du bien un peu de ralentir. Mais je me rends vraiment compte à quel point, quand même, le contact humain, c'est quelque chose, je pense, c'est ce qui me manque le plus, en fait. Ouais. Les câlins. C'est vraiment... Ah, les câlins, les bisous. Moi, c'est juste, je suis quelqu'un d'assez tactile. Et mes potes, ça manque. Mes potes, ça manque à fond de les voir, d'avoir juste ce contact, quoi. Cette chaleur humaine, comme on dit. Mais je relativise assez bien et je m'occupe de mon côté. Donc voilà, quoi. Tout va bien dans le meilleur des mondes pour moi. Puis je suis en bonne santé, ma famille, ça va. Donc, magnifique. Pourvu que ça dure. Yes. On a Sarah qui peut nous rejoindre. Hello, Sarah. Tu nous entends? Attends, on va brancher ton micro. Merci. Sarah, on demandait un peu à tout le monde comment ça se passait le confinement. Mais on a Chania qui va arriver tout de suite. Alors je te demanderai après, tu m'en veux pas. Non. Alors, allez. Hartung. Moi, j'ai fait pousser des bébés cannabis. Comme ça, vous serez tranquille cet hiver. Joli. Hey, elle a réussi. On t'entend pas. Tu trouves où ta terre? Qui parle? Tu dis à moi? Ouais. Pour faire pousser? Je suis allée en forêt avec une pioche. Ouais. C'est une bonne idée. Tu peux aussi faire des commandes maintenant chez Landy et Jumbo, puis aller chercher à Landy en tout cas. Mais dans le canton de Vaud. Il me semble que même les Migros, ils ont réouvert leur fleurisse en fait. Ah, pas ici. Il n'y a plus de pot, il n'y a plus de terre, il n'y a plus rien. Tout le monde est là? Alors, Chania, du coup, je m'excuse, Sarah, tu vas bien? Oui. Confinement. Ah, bien. Ça me rend folle, mais ouais, ça va, on s'en sort. Ouais. Ouais, pas mal de travail toujours, mais ouais. Moi, je l'aime bien, Sarah, elle est comme moi, elle est au bout du rouleau. En fait, on va voir des gens, aller boire des cafés. Boire des bières. Tu as des enfants aussi, toi, Sarah? Non, pas du tout. Heureusement. Heureusement. Heureusement, ouais. C'est genre. Non, mais je pense que c'est difficile pour les enfants de rester à l'intérieur. Du coup, ça peut être difficile pour les parents. Donc, pour l'instant. Surtout qu'il fait hyper beau. Et puis, dès qu'il y aura le déconfinement, hop, il va pleuvoir. Oui, bah, déjà la semaine prochaine, j'ai vu. Ouais, c'est un peu. C'est un peu difficile. Mais bon, en même temps, c'est mieux qu'il fasse beau que s'il neigeait, il pleuvait, ben, on serait tous en pleine dépression. Donc, à la limite, de voir qu'il fait beau dehors, ça donne un peu de bonne humeur. Moi, c'est l'inverse. Hein.
J'aurais préféré qu'il y ait de la neige et puis de la pluie et tout ce que tu veux, comme ça. J'ai une bonne raison de rester à la maison. Je crois que Tania est là. Alors, Shania, est-ce que tu nous entends? Shania, plutôt. Non. Alors, en tout cas, on doit bouger. J'ai l'impression de me retrouver dans la régie de TPMP, là. Yves. Alors, merci, Shania. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu as été ma coiffeuse pendant un petit moment. Et oui. Puis, je t'ai demandé gentiment de nous rejoindre parce que... Alors, je pense que les autres, peut-être, ça va, mais moi, je suis en tanasse complète. Alors, j'explique. J'ai ça de racines. J'avais des mèches blondes. J'ai un gros truc gris qui pousse là. Et j'ai eu l'autre jour une très bonne idée. Je me suis coupée 4 cm de cheveux toute seule. Je me suis improvisée coiffeur et j'ai un casque maintenant. Le problème, moi aussi, je me suis improvisée coiffeur. J'ai pris la tondeuse, j'ai tout rasé. Ah, mais c'est hyper beau. Bah, en fait, justement, c'est un... Avant, t'as un beau crâne rond, c'est hyper beau. Hein. Oui. C'est un... Alors, Shania, en fait. Shania, tu viens de nous rejoindre. Alors, dis-moi, pour les gens comme moi qui sont un peu couillons, comment qu'on fait? Alors, pour les personnes qui ont donc des repousses, comme 90% des femmes, je dirais, en ce confinement, c'est très dur. Ça, je vous l'accorde. Maintenant... confinement rime avec protection aussi. Ça veut dire qu'il faut s'armer de patience. Ça, c'est l'une des premières choses essentielles. Alors, après, si on n'y arrive pas, pour les plus téméraires et les plus impatientes, vous pouvez commander des kits déjà tout faits, en fait. Donc, composés d'un tube de couleur, d'oxydant, de pinceaux, toutes les protections qui vont avec, pour vous appliquer votre propre couleur. Alors, en tant que professionnelle, je ne suis pas forcément pour cette solution, mais je comprends, je me mets aussi au postulat de la cliente au jour d'aujourd'hui qui, elle, ne peut plus se voir. Donc, voilà. On essaie de faire comme on peut en ce confinement, mais c'est très dur. La deuxième solution, bah, alors, c'est la patience et les bandeaux. On peut mettre un joli bandeau. Moi, je mets des serre-têtes, comme vous pouvez le voir. Et pour ça, ça peut être quelque chose de temporairement acceptable, je dirais. Ça, c'est pour les femmes, mais pour les hommes qui ont une coupe, qui ne sont pas rasés, comment on fait pour leur faire leur petite coupe, là? Des astuces ciseaux, Alors, ciseaux, je ne vous conseille pas. Parce que ciseaux, en tant que non-professionnel, on risque vite de faire ce qu'on appelle des trous. La tondeuse, si vous en avez une à la maison, c'est plutôt faisable, en toute sincérité. Après, ça remet toujours de plusieurs sabots. Ça permettra de pouvoir couper en toute sécurité, toujours commencer avec le sabot le plus grand, du bas vers le haut, pour les débutantes, pour celles qui maîtrisent un petit peu l'outil de la tondeuse. Je dirais qu'on pourrait commencer d'en haut avec un sabot qui est un petit peu plus grand et progressivement descendre. Mais ça, c'est quand même pour les gens qui sont, je dirais, quand même coiffeurs. Donc, ça serait... Voilà, ça c'est des choses qui seront possibles. Plutôt utiliser la tondeuse que le ciseau. Quelqu'un a des questions pour Shania? Moi, j'en ai une. Je peux? Oui, vas-y. Oui, bien sûr, je t'écoute. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil peut-être pour des entretiens un petit peu plus réguliers, plus faciles, comme l'hydratation, des choses du genre. Parce que moi, je sais que je me mets sur Internet et j'ai remarqué qu'il y a des produits dans mon frigo, même dans mon placard, qui peuvent très bien aider à entretenir une hydratation. Mais peut-être qu'il y a des personnes qui se sentent concernées. Est-ce que tu pourrais donner un petit conseil? Bien sûr, tout à fait. Alors aujourd'hui, les gens confondent beaucoup l'hydratation et la nutrition. C'est deux choses complètement différentes. Toi, quand tu vas vouloir manger, tu vas manger, d'accord ? Quand tu auras faim, tu vas manger. Quand tu auras soif, tu vas boire. Le cheveu, c'est la même chose. Il a besoin de nourriture et il a besoin d'eau. Donc, pour lui donner à boire, il y a deux choses qui sont possibles. En tout cas, moi, il y a une chose que je fais au quotidien parce que j'ai des cheveux bouclés. Donc, on est en grand manque d'eau et de nutrition en même temps. Moi, j'utilise un spray dans lequel je mets de l'eau minéralisée, donc de l'eau de bouteille classique. À l'intérieur, je vais mettre un petit peu de fleur d'oranger et 2 cuillères à café d'huile de ricin ou d'huile d'avocat, peu importe,
ça me fait ce qu'on appelle un hydrolat. Et là, je spray. Ça redonne vraiment du rebondi à la boucle. Ça hydrate le cheveu. Ça le nourrit très, très légèrement parce qu'il y a une base d'huile à l'intérieur. Donc, ça, c'est vraiment très bien au quotidien. Après, on a le masque. Le masque, aujourd'hui, il n'y a pas forcément besoin de produits cosmétiques. Alors, je sais que les coiffeurs, oula, s'arrachent les cheveux hein, quand on leur dit ça, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, vous avez la banane, il y a le miel, il y a toutes les huiles qu'on a un petit peu dans nos placards et dans nos frigos qui peuvent être utilisées. L'œuf aussi, tout à fait. Moi, j'utilise ce que je fais généralement une fois par semaine parce que j'aime beaucoup justement. Alors, je ne suis pas une vétérante du bio, une végane, pas du tout. Je suis vraiment une professionnelle et je pense que la nature nous permet de pouvoir nous apporter des choses saines et qui vont vraiment nous aider. Donc, moi, j'utilise généralement un pot de yaourt auquel j'ajoute du miel et d'huile de ricin parce que j'ai besoin que mes cheveux poussent. Je veux que mes cheveux poussent. Et c'est vrai que ça aide énormément et ça les nourrit très bien. Et en combinant les deux, c'est plutôt pas mal. Ça ne veut pas dire qu'on laisse de côté nos soins cosmétiques. Ça veut juste dire qu'on leur apporte quelque chose de différent. Et le cheveu a besoin de ça. Parce que quand on nourrit toujours de la même manière, bah, tous les bienfaits finalement du soin qu'on va avoir, je ne sais pas, moi je peux citer quelques marques, hein, Kérastase, L'Oréal et tout ça, bah, forcément, on n'en a pas forcément les effets à force justement de l'utiliser. Donc voilà. Alors, pour toi aussi. J'ai fait une découverte incroyable l'autre jour. J'ai testé de me laver les cheveux avec de la farine de pois chiche mélangée à de l'eau, donc pour faire une espèce de pâte comme un shampoing. Alors, ça ne mousse pas du tout, évidemment. Ça fait un truc trop bizarre sur les cheveux. Mais ça fonctionne hyper bien. Ça te laisse les cheveux super brillants, super doux. J'ai l'impression que ça les a même un peu épaissis. Ils étaient un peu plus forts. Enfin, c'est hallucinant. Donc voilà, si jamais vous n'avez pas de thune, plus de shampoing, plus rien, les magasins sont fermés, vous ne pouvez pas y aller, il y a le virus partout, et ben, vous prenez de la farine de pois chiche, de l'eau, hop, 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 vous faites une pâte un peu visqueuse et vous collez ça partout, vous frottez, vous laissez poser 5 minutes, vous rincez, c'est nickel. Alors moi, tu m'apprends quelque chose, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas. Par contre, ce qui fonctionne très bien, que ce soit pour la peau ou les cheveux, c'est quand vous faites cuire un riz, tout simplement, vous conservez cette eau-là. Et cette eau-là va vraiment apporter, ça va nettoyer, mais surtout apporter de la brillance et gainer. On sait que le riz est utilisé beaucoup en gommage aussi. Ça, si vous voulez faire pour tout ce qui est soin du visage, vous pouvez mixer du riz dur, bien évidemment, pour utiliser justement cette poudre pour faire justement un gommage. C'est beaucoup utilisé au Japon, beaucoup utilisé dans tous les pays asiatiques. Ça vient d'Europe et c'est ultra bon, mais ultra bon pour la santé, pour la peau. Et il n'y a pas du tout d'agent chimique dedans, donc c'est vraiment top. Ok. Merci. Quelqu'un d'autre a une question ou bien elle a un peu couvert tout là? Merci. Tout va bien? Ok, nickel. Bah, écoute, Shania, je te remercie mille fois de nous avoir rejoints dans cette émission. Et puis, est-ce que tu veux nous dire où on peut te retrouver? Alors, à l'heure actuelle, malheureusement, chez moi, mais ouais, où je suis confinée toute seule. Moi, je travaille au salon Mio Style. Voilà, là, vous pouvez me retrouver. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon site, sur mon Insta, à Secret by Echa. Et je peux aussi vous conseiller pour des personnes, pour des particuliers, s'ils ont besoin de conseils ou autres, il n'y a aucun souci, ce sera avec un immense plaisir. Voilà. Magnifique. Merci pour ton temps, pour le temps accordé. Merci beaucoup. Hein. Merci à vous. Et à très bientôt. Merci. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao. Okay. Malou, je te propose de faire ta chronique. Alors, okay, alors Malou, on est toutouille. D'accord. Bienvenue chez Porno
Co. chez Pornhub plus précisément. Pornhub, ce sont 33,5 millions de visites en 2018. Chaque minute, c'est 63 992 nouveaux visiteurs sur la plateforme. 207 407 vidéos qui sont vues. 57 750 recherches effectuées avec ces milliers d'hommes et de femmes acteurs et actrices qui, de leur corps, jouent cette illusion de sexualité libérée. Cette sexualité asservissante, dirais-je plutôt ou plus tard après cette petite chronique. Ici, je vous présente donc les chiffres d'une seule et unique plateforme de vidéos porno, parce qu'il en existe des centaines, évidemment. Mais oui, moi, j'ai fait ma recherche comme une véritable journaliste enquêtrice et sur Pornview, des reportés et répertorié pardon, un large panel de plateformes, soit 141 sites porno gratuits, 80 sites porno premium, oui, parce qu'apparemment, c'est comme en aviation, tu sais, il y a des classes, tu vois, la catégorie A, first, business, 96 sites de sexe amateur, 44 sites de live cam direct, 18 sites de rencontres, 47 sites de porno asiatique, 19 de sites indiens, 19 sites arabes, 19 sites latines, 21 sites black, 24 sites porno inceste, 10 sites porno violents, 28 sites BDSM, 9 sites scatophiles, plus un peu d'escorte, un peu d'anal et un peu de trans. Voilà. Bon, vous aussi, il y a certaines catégories qui vous ont un peu titillé ou irrité l'oreille, parce que moi, je vous avoue, personnellement, j'ai pris connaissance du porno et pas du film érotico-porno des années 90 qui passait sur M6 le dimanche à minuit 50. Hein. Non, je vous parle du porno le vrai, celui avec des sphincters ouverts ou forcés dignes de vulves venues d'accoucher triplées, tu vois. Bon, eh bien, croyez-moi, la fillette de 10 ans qui était déjà un peu perturbée et perplexe devant le regard ricanant et niaisement ébahi du paternel face aux courses effrénées de Benny Hill et de ses desservent les généreuses poitrines se tiant dans leur dentelle, eh bien, à 18 ans, je me suis sentie encore plus perturbée quand j'ai réalisé, quand j'ai comparé mon monde fantasmagorique à celui de mes camarades armés de phallus prêts à pilonner le premier sexe féminin présenté à eux. Le choc. Les hommes étaient donc excités par quantité de baves prévomitives, des gorges violentées, des objets de taille insolite insérés, ça, je vous laisse imaginer où. Enfin, bref. Et dire que le clitoris est un sujet de société depuis quelques petites années seulement. Sérieusement, une majorité de mecs connaît mieux le système intestinal et défécatoire que celui de notre île clito. C'est quand même dingue ça en 2020. Bref, passer la secouée devant les pochettes de idées nonchalamment jetées sous le soulier de pseudo-poteaux de lycée, je me trouvais un peu niaise de rêver qu'un homme puisse se contenter d'aimer et de partager caresses en compter ses douceurs. Un peu niaise, imaginant que le mec est alpagué par la chute de reins et la sensualité. Et puis soudain, à moi de réaliser que les femmes aussi ont leur rôle à jouer dans cette violence exacerbée. Le porno n'est pas toujours beau et pourtant ma curiosité m'a poussée à en regarder. Ma sauvagerie aussi. Je serais donc moi une impie hystérique voyeuriste. Car bien que les films porno aient une durée plus ou moins égale à un film classique, je n'ai jamais réussi à en regarder un plus de 3 minutes. Analysons donc la masturbation primitive. De fait, quand l'idée de porno intervient dans mon mental, c'est que je suis carrément aux abois, la chienne en moi, oui, enfin, le corps a parfois cette envie que la raison tente d'occulter, mais qui revient frustrée culotte pour nous rappeler qu'on aurait mieux à faire que sa petite popote. Et si le mal n'est point visible à l'horizon, si l'amoureux de mon cœur n'existe pas à ce moment-là, eh bien parfois, oui parfois, la pulsion bestiale d'assouvir un plaisir solitaire pour récupérer concentration et énergie massive s'impose à moi comme une évidence. Rien de tel pour mettre en branle les hormones, remonter le niveau d'œstrogène, de testostérone, de progestérone, de mélanocortine et hop, la dopamine arrive excitant le désir physique grâce au système limbique. Et c'est là où le porno détient toute sa soi-disant utilité. Quelques images choquent en gros plan de sexe en plein exercice et hop, l'excitation subjective démarre avec une montée de norépinéphrine et de prolactine. L'activité exubérante du majeur et de l'index permet ensuite d'arriver à l'orgasme grâce à un petit bout d'ocytocine. Et hop, une fois le col du plaisir atteint, et bien la débandade. Enfin, en ce qui me concerne, me voilà les doigts plissés comme si j'avais adopté un micro-charpeille, le clitoris ravi certes, mais toujours solo dans mon lit, et puis surtout dégoûté et peu fier de moi d'avoir cautionné par ma bestialité les relents d'une sexualité inadaptée à la réalité de corps bestialité. Car c'est vrai, le porno c'est quoi en 2020 ? Bah, c'est le Uber de la solitude sexuelle et affective. Hein. À l'heure où le scénario pourrave de l'électricien est remplacé par une simulation de viol collectif, à l'heure où la fellation est passée à de la bifle avec strangulation, à l'heure où la sodomie est passée à la triple bistouquette dans la boîte à caquettes sans le consentement de l'actrice prise au dépourvu, il est essentiel de se mettre à jouer avec quelques paroles d'acteurs et d'actrices du milieu.
Alors, Chrissy Moran, par exemple, disait « Mais moi, je ne peux rien faire d'autre, c'est là que j'excelle. C'est tout ce que je connais et je le croyais à l'époque, je n'avais personne pour me dire « Tu vaux mieux que ça. » Amber Lynn disait « Comme mon addiction empirait, ben, il me passait de la coke. Moi, je passais la nuit dans la salle de bain, il n'arrivait pas à me toucher. Moi, j'ai basculé dans une spirale et aujourd'hui, je regrette d'avoir fait du porno. » Ou alors, il y a Tiffany Million aussi qui dit « J'avais une vision déformée de l'amour en raison d'un manque d'amour dans ma vie, de l'incapacité de déterminer ce que l'amour est vraiment. J'ai confondu attirance sexuelle et amour. Et puis, quand on a vécu beaucoup d'abus, ben, on peut comprendre pourquoi on ressent ça. Alors, je suis rentrée dans le business parce qu'en fait, j'avais besoin d'argent. » Ok. Un autre gars qui dit aussi, le producteur me dit, de toute façon, ce qu'ils veulent voir, c'est une fille qui se fait souiller, hein, qui se fait exploser. Alors, moi, j'ai envie de dire, à l'heure où les corps sont modélisés pour répondre aux normes intégrées des fantasmes masculins, hein, des gros seins pour mieux émoustiller, un petit nez aquilin pour effacer le caractère individuel de la belle, un gros fessier rebondi pour twerker convenablement au lit, une bouche surpulpeuse pour mieux sucer mon enfant. Eh bien, cela m'affecte, oui. Cela affecte ma féminité, ma fémisolidarité, mon hétérosolidarité. Cela affecte ma confiance en l'éducation sexuelle de bien des générations. Cela affecte ma confiance en la symbolique érotique générée. Cela affecte ma vision déjà bien particulière du néo-féminisme. Alors moi, je vous le dis, pour moi, le porno, bah, c'est bel et bien fini, même en ces temps de confinement. Je me reconnecte à mon imaginaire. L'imaginaire est là, c'est le héros de mon déconfinement mental et sexuel. Alors, du nerf sortant du porno, le sexe est aussi le nerf de la guerre. Je n'utilise ni le laisse personne quand je baise en mon imaginaire. L'imaginaire nous ouvre la porte à toutes les sensations, toutes les folies, toutes les envies. Il nous garantit que nous gérions le fantasme à notre gré, de plein gré, bon gré et pas mal gré. Et pour ceux qui douteraient encore du bien fondé de l'excitation par l'imaginaire, en plus de bander moins fort à cause de l'addiction au trash du porno, eh bien j'ai l'argument ultime pour ceux qui sont en couple. L'imaginaire garde notre historique bien au chaud dans notre cerveau. Bonne caresse à vous, Minette et Petit Minou. Voilà. Elle était magnifique. Je me suis emballée, quoi. Hein? Je me suis emballée, je l'ai fait un peu longue. Ne t'inquiète, c'était pour notre plaisir. J'ai failli mourir 12 fois, je crois. Ouais, j'ai vu vos réactions du coup, comme je lisais le texte. Ça me rend trop. J'ai failli mourir 12 fois minimum. Ah ouais, Raoula, je l'entendais, je la voyais pas, mais je l'entendais, je savais le souffle indiqué quand tu allais mourir de rire. Je pouvais plus. J'ai essayé, hein. J'espère que j'ai pas tout foiré, mais vraiment là. Là au-dessus, on n'a pas encore découvert ce qu'il y avait. Sarah, c'était drôle parce que Sarah, elle était d'abord dubitative, elle était là. Puis après, elle s'est enjaillie, elle était là. Non, Malo, super comme d'hab, quoi, franchement. Si ça vous, voilà, si ça vous a convenu, je suis contente. Ah ouais, non, mais alors là, il y avait un projet là. Il y avait un putain. Nancy, toi qui es dans la beauté, tu penses qu'on reste sans maquillage, on met du maquillage, on reste dégueulasse? Qu'est-ce que t'en penses? Alors, chez Recol, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui profitent de faire une pause make-up et qui ne mettent plus rien du tout. Après, moi, je pense que ça fait du bien au moral de quand même se lever, se doucher, s'habiller, se maquiller et garder un petit peu un rythme, histoire aussi de garder un bon mental, quoi. Et en tout cas, merci les filles. C'était top. Je crois qu'on s'est bien débrouillés. Du coup, c'était cool de se voir. Grave. Oui. Grave. Prenez soin de vous. Une petite moule. Bisous. On s'embrasse. Merci beaucoup. Hein. Merci. Ciao, ciao. Bisous. Ciao, ciao.